c'est français. C'est français. Super sensation. Non mais c'est quoi cet engin quoi? Bon, vous avez vu cet engin d'exception. Je suis avec le créateur. On va discuter ensemble sur cet engin. On va vous le présenter. Apparemment, c'est d'une Made in France, comme Xtreme Electra. Ça me rappelle beaucoup le snow. Et bon, je vais pas en dire plus. Salut à toi. Salut. Ça va? Tu t'appelles comment? Moi, c'est Pierre Marabès. Pierre Marabès. Donc, t'es le propriétaire, le créateur. T'es quoi, en fait? Le créateur fondateur de la startup Curvway qui conçoit des surfs électriques tout terrain. Putain, mais c'est génial. Mais en fait, tu viens d'où? T'as eu l'idée de ça comment, en fait? Alors, là-bas, je viens de Montpellier. Je suis tombé amoureux du snowboard il y a bientôt 20 ans. Ouais. Et du coup, venant de Montpellier, accès à la montagne compliquée, j'ai cherché un moyen de faire du snowboard plus souvent et plus facilement. Ouais. La solution, c'était de fabriquer un engin qui permettait de le faire sur terre et chez moi. C'est ça. Et premier proto en 2008. J'ai développé les protos les uns après les autres. Et tu fais tout toi-même, les soudures, l'assemblage, ou t'as d'une manufacture à l'étranger, en France tu... Alors, les prototypes avant, c'est moi qui les faisais. Ouais. Donc c'est moi qui ai soudé les premiers châssis, qui fait les premières erreurs, qui fait les premières découvertes. Bah normal, comme à chaque début de nouveau projet, quoi. Et comme je dis toujours, un prototype, c'est jamais fait pour fonctionner, mais pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. D'accord. En fait, tous les prototypes que j'ai fait avant m'ont permis d'avancer sur la partie industrielle en termes de sensation, en termes de stabilité. Et là, on vient de passer en mode industriel, donc on a notre premier prototype industriel qui est là. Franchement, c'est top. Moi, je connais très bien ce type de suspension qui sont vraiment pile poil. Ah oui, t'as un freinage hydraulique à l'arrière. Yes. Alors ça, j'en parle souvent dans mes vidéos sur les trottinettes électriques. Je préfère, c'est soit le frein à tambour sur des petites trottes qui vont à 25-30 et dès qu'on passe un petit cap, le must, c'est l'hydraulique. Mais souvent, quand c'est de l'hydraulique, il y a un cap de prix qui est plus important. Là, c'est vraiment top. En fait, on a fait le choix de l'hydraulique parce que c'est le frein le plus intuitif pour tous les novices qui vont essayer. C'est le plus facile d'apprentissage, c'est le plus efficace. Et puis, ça permet de tout faire. Ça permet d'avoir un freinage fin et d'avoir un freinage fort à la fois. D'accord. Tu fais la pression du doigt grâce au ressenti du doigt. Et ça, il n'y a que l'hydraulique qui veut. Et donc là, je vois, donc sur la manette, vas-y, montre-moi la manette. T'as une gâchette pouce. Yes, pour accélérer. D'accord, et ça c'est juste un petit câble pour pas le perdre. C'est un câble anti-arrachement. Anti-arrachement. Ça sécurise le tout simplement. C'est ça, pour pas arracher la durite et le câble électrique. Exactement. En moteur, tu as mis, c'est un moteur de combien, tu sais à peu près? Alors c'est un moteur direct drive, celui-là on est sur 2000 watts, ça fait partie des tests qu'on a fait. 1000 watts c'est pas suffisant, en fait l'idée c'est d'avoir une machine qui soit à la fois compatible avec le code de la route pour pouvoir circuler partout, mais aussi qu'il soit en tout terrain. D'accord. Donc compatible avec la montagne, l'adrénaline. Donc là le 1000 watts en fait c'est pas suffisant, on passe sur du 1500 watts. D'accord. Pour pouvoir monter des pentes de 30% en montagne. D'accord, pour avoir des capacités de franchissement. Exactement. Ouais. Alors moi ce que j'ai pu voir c'est qu'il franchit tout, là il a fait le gravier, il a fait la pelouse là-bas. Ça passe vraiment partout quoi. Ouais, c'est, avec ses grandes roues et tout, c'est vraiment top. Super la glisse quoi. Ouais, en fait, tout l'intérêt du truc, c'est de pouvoir se pencher et de le faire naturellement. Ouais. Et que ce soit pas contrebalancé par un stabilisateur électronique ou des choses comme ça. Exactement. Je vois à la roue avant qui s'adapte automatiquement à ta courbe, et ça bascule à droite, à gauche facilement. Ça se fait, mais. Ouais, c'est toute l'idée du brevet qu'on a déposé sur la roue avant, en fait. C'est que la roue, elle vient se placer dans ses positions d'équilibre, qui sont pas toujours les mêmes, et elles viennent absorber les défauts de la route. Ah, mais ça, et tous les mouvements que fait la roue, c'est les mouvements qu'on va pas ressentir dans les pieds. D'accord, ok. Ta start-up, elle est destinée à faire quoi? À louer, à vendre ce produit, à faire quoi exactement? Nous, on vend directement les machines à des entreprises de location qui vont faire la promotion. D'accord. On va les aider dans la promotion d'ailleurs. Ils en font la location ou la vente directement. D'accord, ou la vente directement. Et nous, c'est pour ça qu'on a conçu une planche qui est adaptée à eux. Donc, une planche qui a l'air robuste, mais surtout qui est robuste, avec très peu de maintenance. On peut changer n'importe quelle pièce de la machine en moins de 15 minutes, sans formation particulière. On a tout un accompagnement autour de ça et surtout, on a des batteries rackables. Ah oui. Donc, ça permet
jamais, on part sur une autonomie de 50 km sur du plat, on est sur 40 km en dénivelé variable. D'accord. On part le matin, le midi on rentre avec, on part sur un autre groupe, on enlève la batterie, on enlève le deck sans outil, on enlève la batterie, on remplace la batterie, on est reparti pour 50 km. Et on est reparti. J'ai vu que l'apprentissage était très très rapide, hein, parce que c'est vrai que tu nous dis que c'est pour des sociétés qui sont amenées à louer sur une flotte. C'est un petit peu comme la One Wheel. Je pense en 15-20 minutes, c'est... Alors nous, notre objectif, c'est que quelqu'un qui a jamais pratiqué aucun sport de planche, pas de snowboard, pas de skate, pas de surf, pas de kitesurf, wakeboard, donc quelqu'un qui est complètement novice, il soit autonome sur la planche en 10 minutes. Ouais. Donc on a fait pas mal de recherches, on a fait des prototypes. Grâce à ça, on a posé un brevet qui se pose sur la direction avant de notre machine, qui permet de réduire un maximum la vitesse de stabilisation. En fait, on utilise un système, enfin, un effet gyroscopique comme en vélo, qui vous permet à 15-20 km/h de pouvoir lâcher le guidon sans sécurité. Ouais. Le vélo reste tout le temps. On exploite ce même phénomène, mais à 5 km/h. D'accord, ok. Donc, pour te contacter, tu as un site, c'est ça? Ouais, coeurway.com. Je vous mettrai, les gars, tout dans la description de la vidéo. C'est un plaisir de te rencontrer. On n'a pas parlé tarifs. Là, en forfait basique, on est à 3 200 € hors taxe. Avec tout un accompagnement. En fait, l'idée, c'est que nous, on vend des projets. Donc, on veut faire des projets ensemble. On veut monter des événements ensemble. On veut être acteur et aider nos clients pour une relation de confiance et apporter des engagements forts. Il s'avère que ici, opérationnellement, c'est une planche, mais il y a tout l'ensemble en fait qui est derrière. Qui est derrière, oui, exactement. Bah, je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. Et puis voilà, c'est vraiment sympa. C'est vraiment un engin hors norme encore dans la mobilité électrique. Et on attend que ça, en fait, de voir des engins comme ça circuler un peu partout. On en a un petit peu marre du tout pétrole. Et bon, bah voilà, c'est sympa. On a aussi un Instagram sur Curvo Official. Donc Instagram, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo. Et bah, on vous dit ciao les gars, en direct ciao. Des Electric Games. On a vu plein de trucs tomber, qu'est-ce qui est tombé là? What the fuck? Ah, ton téléphone. Oh, le guidon. Fatality. Laisse tomber le guidon. Il a perdu son guidon. Ouais. Le guidon d'un coup, flamme, c'est par terre. Bah alors, c'est quoi ce style de conduite? Et qu'est-ce qui t'arrive? Je suis sûr que c'est bien. C'est l'aérodynamisme.